l'exposition s'articule autour de trois dimensions, donc l'art, la science et l'histoire. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous tenait à cœur et vous allez pouvoir découvrir donc, le textile à travers différents regards, que ce soit des créations contemporaines, des images d'archives ou encore des innovations. Au début de cette exposition, au début de ce projet, c'est une carte blanche pour faire l'équipe de la manufacture. On leur remercie très beaucoup. Mais c'était vraiment l'idée de faire une exposition sur la création contemporaine, le textile. Mais c'était aussi l'idée de faire une exposition inédite. Et pour ça, l'équipe de la manuf, qui nous a vraiment laissé une grande liberté, nous a permis de développer un concept. À travers un appel à création, nous avons pu découvrir toute la richesse que pouvait avoir cette thématique chez les artistes qui nous ont proposé chacun des visions très singulières, à la fois en cohérence avec nous, qui répondaient parfaitement à notre propos. En raison du fort ancrage territorial qu'il y avait à Roubaix, cette question de l'eau et du textile, on a souhaité créer un partenariat avec différents lieux à Roubaix qui sont également marqués par cette histoire de l'eau et du textile. Chercher des partenaires, quand on en parlait à nos proches, on a l'impression que c'est un sujet qui a pu faire écho chez les gens à des choses auxquelles on pensait, des choses qu'on imaginait, des choses qu'on avait envie de voir. Donc on espère que vous tous ici ressentirez cette même joie à visiter, à découvrir cette exposition ici dans Parcours Ornement. Un travail d'équipe qu'on a porté à 5. Tout ce que vous pouvez
cette expo a été vraiment est repassé par 5 cerveaux, 5 envies et le produit d'un travail d'équipe très fort et très soudé.